Allez, avec un petit jeune qui débute côté Carcassonne, qui a fait ses premiers pas aujourd'hui, c'est monsieur Guy Janargui, 39 ans, toujours vert. Oui, toujours vert, mais un peu fatigué quand même, là, parce que la saison pèse un peu dans les jambes. Puisque l'année dernière, on a fini très tard, comme on le sait, puis on a repris assez tôt, parce qu'il fallait être prêt. Et là, c'est vrai qu'on est un peu en décompression, donc il va falloir bien récupérer pour repartir maintenant dans 2 mois. Dans 2 mois, donc là, ça y est, c'est les vacances. Cela dit, Carcassonne a joué le jeu à fond, n'a pas lâché le match. Vous avez même contraint à remarquer des essais, parce qu'ils avaient, en fin de première mi-temps, acquis le bonus offensif. Donc, Carca a joué vraiment le jeu. Ah ben, il fallait jouer le jeu, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient pas mal de choses à prouver. Comme on a pu voir, on a fait tourner. Et forcément, mais pour prouver qu'on mérite sa chance dans un autre club, et il faut se montrer à un meilleur niveau. Donc il y a pas mal de gars qui sont accrochés, c'est bien pour eux, j'espère qu'ils vont pouvoir rebondir ailleurs. Malgré la fin de saison, on va dire, chaotique qu'on a eu un peu. Et alors, juste pour toi, un dernier mot, on va te donner rendez-vous la saison prochaine parce que tu seras toujours jaune et noir la saison prochaine. Ben oui, je vais tout faire pour être présent, apporter à l'équipe parce que bon, là maintenant, il va falloir digérer cette saison. Et c'est une nouvelle qui va démarrer et qui sera différente puisque là, cette fois-ci, on sera une équipe attendue. Il n'y aura plus l'effet de surprise qu'on a pu avoir cette année, l'euphorie qu'on a eue suite au titre l'année dernière. Là, il va falloir repartir de zéro et ne pas se faire surprendre dès le début du championnat. Alors, bonnes vacances, bien méritées, monsieur Guy Janard. Et merci, et puis à la rentrée alors. Merci.